qui première mission force police Kenya yo en Haïti. Premier contingent police qui gen sipo Nations Unies te rive en Haïti mardi 25 juin. Presque 2 ans après que Haïti te fait demande pour une force comme ça entrer dans pays en urgence pour aider mettre l'ordre dans des ordres après que violence gang yo te envahi majorité zone à quartier dans Port-au-Prince là. Yo contingent de à peu près 400 policiers qui sorti dans pays Kenya te atterri sous piste aéroport international Toussaint Louverture là mardi passé. Mercredi 26 juin 2024 là, premier ministre provisoire pays a Gary Conille te visité une nan base côté que force là te logé tête li. Moi-même je crois que nous à la veille d'un nouveau départ. M'a demandé population haïtienne là pour être vigilant, pour être confiant. N'a travaillé avec partenaires nous yo. Nous avons engagement tout partenaire nous, nous avons plusieurs pays qui peuvent faire partie de contingent qui peuvent venir supporter nous. Nous avons plusieurs nations qui sont engagées à nos côtés pour nous prendre le pays. Nous. Donc, nous n'avons pas avancé. Les populations ont continué avec une patience. Nous avons été vigilants. Nous n'avons pas avancé. Mais il n'est pas fini trop clair qui est la première mission force là et qui est la première mission pour l'accomplir dans l'immédiat. Force police a pris le pour faire face à gangyo qui très violent et qui contrôlait à peu près 80% capital là. Violence gangyo d'après rapport qui sorti forcé au moins 580 000 moun dans pays a courir sauver quitter caillou et abandonner quartier. N'a rappelé que ça fait 4e fois que une gros force militaire étranger fait intervention dans pays d'Haïti. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York.